Wesh, c'est terrible. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Il me sert beaucoup là. Yo les refs, aujourd'hui je suis en vacances avec ma meuf à Minorque et je vous propose un Yes Man Challenge. Bon, vous connaissez les Yes Man Challenge, dans cette vidéo je vais sans doute souffrir, avoir honte. Mais on est en vacances, donc ce qu'elle va me demander qu'elle va kiffer, automatiquement je vais aussi apprécier. Comme ce moment-là. Oh, il est trop mignon, regarde comment il se met droit. Ou peut-être celui-ci. Franchement, j'ai kiffé. Ou encore lui. Là vous vous dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi on commence la nuit comme ça là? C'est elle m'a dit prends la caméra en film la veille. Pourquoi du coup dis-moi? Que tu vas te lever tôt et tu vas aller me faire un petit déjeuner. C'est super en plus, c'est pas comme si tous les matins je payais l'hôtel pour avoir un petit déjeuner. Oui, on réveille 7h30. Là c'est parti, direction la boulangerie. D'après ce que j'ai compris, je suis arrivé dans une boulangerie. Bon c'est bon, j'ai trouvé du coup. Un petit pain au chocolat, un petit croissant, ça a l'air incroyable, mais moi je vais goûter, c'est obligé. Je vous l'ai dit, dans cette vidéo, il y aura aussi des petits moments de plaisir pour moi. Là les gars, je réfléchis d'un plan de vue stratégique. Je pense que si je lui ramène seulement ça, elle va se dire, bon il a fait un petit effort, mais voilà, de toute façon il n'avait pas le choix. Mais si je ramène vraiment le paquet, genre petit jus d'orange, tout ça. Je pense que là, il y a moyen qu'elle soit gentille avec moi toute la journée. Ça va? Petit déjeuner. Non mais t'as-tu gagné parce que t'as pris ça? T'en peux, ouais. Ouais, je savais. Sur 10... 9. Ah ouais. Bon les gars, là on a Mahon, centre-ville de Minorque. Je sais pas pourquoi on est là, pas du tout. On fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On va aller t'acheter un petit truc. Eh les gars, oubliez pas ce tatouage, hein. Yes. C'était à cause d'un Yes Man Challenge. J'ai cramé ce que tu voulais. Je suis désolé, c'est pas contre toi, mais t'es moche. Tu veux acheter ce chapeau et le mettre? Oui. C'est incroyable. J'ai un petit flou ou pas, un peu quand même? Note sur 10 dans les commentaires. En vrai, je trouve que j'ai un peu... Waouh, ah ouais, j'avais pas vu le retour. Alors? Ah oui, je l'adore. Bah allez, go. Putain. Tu veux pas j'ai des grandes chaussettes aussi avec et je les mette? Tu veux? Hein? Tu veux? Oui. Putain, pourquoi je veux faire ma gueule? Les perroquets, là, voilà, parfait. C'est elle? Ouais, ouais. Tu vas être beau. Franchement ça va, c'est pas très cher en vrai, c'est de la qualité. Les chaussettes ça passe, j'aime bien tout ce qui est un peu extravagant. Ah là c'est stylé là. Là t'es mieux. Opa. Pourquoi j'ai l'impression que tous les gens se foutent de ma gueule. Nice socks. Thank you. Alors, tout le monde est trop beau grâce à moi. J'ai l'impression que je vais monter les marches de Cannes. Est-ce que ça va un petit flow? Ouais, ça peut être à la mode plus tard. Bon les refs, ça y est, là je suis équipé pour la journée, je suis très bien comme vous pouvez voir. Bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah on va aller au zoo hein. Bon en vrai ça va le zoo, je suis plutôt content. Je me dis on est dans un pays que je connais pas trop. Les animaux je connais pas ici ce qu'il y a comme espèce. Et je sens qu'elle va me demander de faire des dingueries au zoo, c'est sûr. Déjà je vais y aller avec un flow incroyable. Bon les gars on est au zoo, avec le trop gros sujet. Oh là, on m'a fait très peur. Dis Siri. J'adore ce bruit. Pas moi. Thank you, good luck. Vous avez vu, je commence à faire des petits good luck, bon courage en anglais. Je commence à faire le mec. Oh regarde l'espèce de fou, il est hyper rare. Regarde l'animal. Là. Ça a l'air incroyable ce petit zoo. Franchement, je suis vraiment content. Est-ce que tu veux leur bien manger? Alors... J'adore, elle est trop mignonne. J'adore l'initiative, elles vont être trop contentes. Trop contentes, elles vont me sauter dessus. Ça se voit qu'elles crèvent la dalle. Tu veux pas du coup? Ouais, bah oui. 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 Elles savent très bien c'est quoi la petite boule. Oh les cousines s'il vous plaît, arrêtez, vous faites pas de mal. Je vais bien se connaître. Oh putain. Arrêtez. Calmez-vous. Mais pas comme ça. Arrête, saute pas. Ah ouais, t'inquiète, j'ai fait ma gueule. Le dernier. Vous faites quoi là maintenant? Vous avez pas de boue, vous faites quoi? Eh ouais, elle me regarde pas comme ça toi. Oh putain. Elle se bat. Ouais, désolé, excusez-moi. Pardon, c'est bon. Oh putain. Eh, vous faites quoi là maintenant? Vous avez pas de boue, vous faites quoi? Tiens, excuse-moi, je suis désolé. Je m'excuse pour tout. Voilà. Allez, viens, on y va, s'il te plaît, ça va? C'est très très bien. Les chefs, c'est très mignon. Mais il faut pas blaguer avec elle. Elle blague zéro. Oh, il est trop mignon, regarde comment il se met droit. Méga tortue, elle est énorme. T'es mal, t'as du serpent. Vache-moi, elle reste bien dans l'eau. Tu veux bien que tu commandes un shot? Hein? Un shot. Clairement pas envie d'alcool là, cette heure-ci. Putain, il fait chaud. Je te déteste. Voilà. Bah oui. One shot alcool. The what? What is this? The pink. Que j'ai pensé. It's good? I don't know. Si. On va à 10. Yes. En plus, elle remplit bien, bravo. C'est parfait. Ça va t'aider pour la suite. T'inquiète.
Ouais, j'étais gros. C'était un peu bon, mais trop fort. Tu te rappelles le serpent qu'on a vu tout à l'heure? Ouais. Tu trouvais beau? Ouais. Oui. Tu veux le porter? Est-ce que tu veux bien le porter, le serpent? C'est un piton en fait. Le truc qui fait mille fois ma queue. Est-ce que tu veux porter un serpent sur toi? Oui. On n'a pas entendu. Oui. Regardez mon geste. On dirait un petit soumis à l'école qui est mis de côté. Non. 20 minutes. Ah, c'est chelou, on dirait qu'il est électrique. C'est hyper bizarre, on dirait un truc électrique, on dirait un faux truc. Alors, ah, c'est chaud, il fait badé. Alors, allez, hop, frérot, qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est hyper bizarre la texture. On dirait que je touche. Je sais pas, on dirait que je touche quoi. Touche. Vas-y, touche. Touche, vas-y, t'as vu? Non. Franchement, j'ai kiffé. En vrai, c'est kiffant, je te jure. C'est pas du tout méchant en fait. Pendant un moment, elle s'approchait près de ma table. Là, j'ai commencé à paniquer. Vas-y, t'es chaud, t'emportes un. Allez, vas-y. Non. Bouge pas, ça va. Alors? Ça fait peur, je suis pas à l'aise du tout. Enlève-le-moi. Bon, si on peut prendre un peu de plaisir comme ça. Hein. Et que c'est une voix contre K. His name is K. K? Ah, K comme dans l'île de la jeune. Je commence à être à l'aise avec les serpents là. Par contre, il fait un geste brusque. J'ai la caméra, je lève tout. Il me sert beaucoup là. Ah ouais? Oui. Franchement, c'était un moment de plaisir. C'est, ah ça bon faisait peur, mais jusqu'à la fin. À la fin, elle a voulu faire une petite photo, on a fait une photo à deux. Regardez la photo. Le truc a voulu me grailler. Regardez la bouche ouverte qu'il avait, il voulait me grailler le cerveau. J'ai trop peur. Et elle était à côté avec un serpent sur elle. Franchement, bon moment, mais quand même, mais jamais. Bonne adrénaline. J'ai bien kiffé. Il est incroyable. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh putain, j'ai peur. Bon les refs, le zoo c'est terminé, franchement c'était incroyable. D'ailleurs si vous aussi vous voulez, si jamais vous êtes de passage à Minorque, vous voulez venir à ce zoo là, venez, c'est le Loch de Minorca. Tu veux enlever ton chapeau? Yes. Oh j'en pouvais plus. Franchement je commence à l'apprécier, en vrai je l'aime bien. Mais vous savez quoi? Je vais le donner à ma mère, je suis sûr qu'elle va l'adorer. Je voulais me faire plaisir. Tu voulais te faire plaisir? Bah oui. Ok. Donc on va aller faire un truc de base. Let's go, mais c'est trop bien. Bah oui, bien sûr. On est dans le bateau. Bon les refs, le bateau c'était gros truc là. C'était bien, mais en fait c'était tout petit. Je pensais qu'on allait avoir la place de faire des trucs et tout ça pour le Yes Man. Au final pas du tout, on était serré avec les gens. Elle s'est bouffé un oursin dans les pieds, donc ça a viré un peu au drame, mais ça va. Qu'est-ce qu'on fout là? Bon, en vrai de vrai, je vous mens pas que ce magasin là, plusieurs fois on est passé devant, à chaque fois je disais oh j'ai envie d'y aller, mais aujourd'hui je voulais pas y aller parce que je sens le traquenard. Qu'est-ce qu'on fout là? Dis-moi. À chaque fois je vais te dire, je m'achète ça et vous allez acheter. Bon, là on vient de s'arrêter, on est au rayon plus, ça y est, je sais que je suis dans la sauce. Non, mais t'en veux pas, c'est pas grave, on peut y aller. Je veux bien m'acheter celui-là. Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Attends. Ah oui. Après. Ah. Tu veux bien m'acheter celui-là aussi? Oui. Ouais. Oui. T'es content? Ouais. On y va, il commence à être tard là, dis donc, le soleil se couche. C'est pas long là. Je passe du bon bas haut et que t'es dans la gueule. Ça pue. Ça a aucun sens, attends. Tu veux bien ou pas que je te lance des bons bas haut dans la gueule? Yes, oui. C'est vrai? Oui, regarde. Ouais. Super ambiance. Je veux bien t'acheter un booster Pokémon, mais tu veux voir l'idée? J'ai jamais ouvert de booster Pokémon et je suis éclaté, j'y connais même pas. Ça se trouve, je vais avoir une carte à 500 000 euros. Ça se trouve, tu vas être un peu. Bon, bah, yes. Pourquoi pas? En vrai, j'ai jamais ouvert. Ah, là. Ils sont comme les pros là. À chaque fois, les pros ils font ça.
1, 2, 3. Ok, ça. Waouh, incroyable. Incroyable. Putain, mais elle est hyper rare. Waouh. Ça va? Ouais, c'est ça se trouve, là, j'ai ouvert une bête de cartes. Les connaisseurs dans les commentaires, dites-moi si j'ai ouvert une carte qui était folle. En tout cas, c'est de la merde. Sortie de la piscine, elle m'a dit allume la caméra. Let's go, qu'est-ce que tu veux? C'est la caméra et tu ressors dans la piscine. Tu casses les couilles, je viens de me sécher. Alors qu'il fait froid. Il fait archi froid là, ça fait genre 5 minutes que je me réchauffe. On n'a pas de serviette. Allez, vas-y. Oui, parce qu'on n'a pas de serviette. Non, moi, je dois dire oui à tout aujourd'hui. 2, 1. Mais arrête. Non, ça peut pas sortir pendant 10 minutes. Est-ce que tu veux rester dans l'eau pendant 15 minutes? Oui. Pendant 15 minutes, hein. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Non, 15 minutes. Non. Oui. Tu veux sortir de l'eau? Oui. Attends, il y a des bombes à eau, attends. Ça marche pas, c'est nul. Oh non! Est-ce que tu veux t'en reprendre encore 3 dans la gueule? Oui. Bon, maintenant, on va aller se laver. Ouais. Et on va aller au resto. Tu veux bien me payer le resto? Oui, encore une fois, on a l'hôtel qui nous paye. Enfin, on s'était compris dans le prix, quoi. Donc encore une fois, allez hop, ça saute. Bon voilà, petit burger. J'ai le seum, je suis quelqu'un de très indécis. Je voulais prendre une pizza et au dernier moment, j'ai changé d'avis et je regrette. Bon voilà, c'est bon, t'as eu ton resto? On est revenu du restaurant. De base, on avait plein de choses à faire encore. On est tous les deux morts. Donc écoute, Sarah, dis-moi cette phrase fatidique. Est-ce que tu veux que cette journée se termine? Oui! Donc voilà, vous c'est l'avez compris. C'est le meilleur week-end. Ah oui, oui. Vous l'avez compris, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis bah, à bientôt pour de prochaines aventures et de nouvelles vidéos. Bisous la team, bisous. Putain, je vous remercie. Ciao!